Il y a 2 jours encore, on n'aurait jamais fait ça. On n'y aurait même jamais songé. C'est vrai. Mais il s'en est passé des choses en 2 jours. C'est pas une raison. Une fois, ça vous suffit pas. C'est ce soir, dans une grande maison. Il paraît qu'il y a plein de thunes en cash. Il suffira juste de ne pas faire de bruit. Et il y aura moyen de se faire beaucoup d'argent. Comment on entre? T'inquiète pas, je m'en occupe. Apporte un flingue. Quoi? Pourquoi faire? Au cas où. Mais j'en ai pas. T'en passerai un, ce soir, ici à 20h. Ce n'est pas parce que tu l'as déjà fait une fois que ça te donne le droit de recommencer. T'es en train de devenir comme lui, t'es en train de devenir un monstre. Et à cause de qui? Il le mérite. Il mérite de mourir. Si tu le fais pas pour toi, au moins fais-le pour les autres. Pour le bien commun. Pour que plus jamais personne n'ait à subir ça à cause de lui. C'est ridicule. T'es en train de te mentir à toi-même. Parce que tu veux le voir mourir. Peut-être. Fais quoi? Y'a quelqu'un? Non! 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 Non, mais t'es malade! Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas dangereux? Je te prends, fais plus un coup comme ça! Maintenant, tu mets ta cagoule, on s'en va! Tu l'as. Quoi? Tu l'as. Elle a vu ton visage. Elle va capter. Tu finiras ta vie en prison. Tu l'as. C'est moi qui te tue. Tu finiras par capter quand tu viendras te chercher, hein? Tu l'as. Allez. Tu l'as. T'habituer à tuer si tu veux entrer dans le métier. Tu verras, tu prendras goût. Tu vas finir en prison. Faut pas que t'ailles en prison. Tu tiendrais pas 2 jours. Et papa? Il serait tout seul. C'est quand même pour lui que t'as fait tout ça à la base. Tu peux pas l'abandonner. Il a besoin de cet argent. On n'a même pas de bonne raison d'aller là-bas. On va dire quoi? Qu'on est là pour s'excuser? Qu'il faut fêter ça proprement? Même si ça marche, c'est pas sûr qu'il nous laissera rentrer. En tout cas, s'il découvre ce que tu veux lui faire avant que t'en aies le temps, il n'hésitera pas une seconde à te tuer.
Surtout que pour l'instant, t'as même pas encore d'armes. C'est du suicide. Il y a toujours le couteau. D'argent. Les gars, je me barre définitivement d'ici. Je ne mets plus jamais les pieds dans cette ville de merde. Qu'est-ce que tu m'as fait faire? Comment t'as pu me forcer à faire un truc pareil? Tu ne pointes plus jamais un pistolet sur moi, c'est compris? Maintenant, tu te relèves, tu prends ta part et tu vas dormir chez toi. T'es un meurtrier. Toi aussi. Pas comme toi. Ça viendra. Qu'est-ce que tu fous là? Ce matin, j'ai un peu suragi et avec le stress et tout. L'important, c'est qu'on ait le fric, hein? Et ben, on va fêter ça proprement. D'accord. Allez, viens. On était justement en train de boire un verre. Hein? Qu'est-ce que je te sers? Quelque chose de fort. D'accord. Ça marchera pas. Si on se baisse pour le récupérer, ils nous verront. Et ils comprendront. Et de toute façon, on n'est même pas sûr qu'il y soit encore. Il l'a peut-être déjà ramassé. Non. Il a pas vu où il est tombé. Au pire, pas besoin du pistolet, on les trempe. Avec les deux autres à côté? Ils ne laisseront pas faire, ils nous tueront. Il faut le pistolet. C'est mort. C'est fini. Sans le pistolet, il a l'avantage. Oh, mais c'est notre petit sentimental. Alors, toujours peur de tirer sur les dames? Hein? Ok, c'est faisable. Mais pas ici. Il faut l'entraîner dehors. Léo, faut que j'aille m'acheter des clopes, tu m'accompagnes? Oui, si tu veux. C'est le moment où il n'aura pas le temps de se défendre. Non, pas dans l'ascenseur. S'il y a quelqu'un quand la porte s'ouvre,
faut pas qu'on aille en prison. Stop. Qu'est-ce que tu comptais faire avec ce pistolet? Donne-le-moi. Doucement. Je t'ai pourtant donné l'argent, je t'ai donné ta part. Mais qu'est-ce que tu voulais me faire? T'es pas content? Hein? Dis-moi. Explique-moi. Explique-moi. Elle a vu ton visage. Elle va cafeter. Ils te retrouveront. Tu vas finir toute ta vie en prison.